Non, ça va être galère. Si j'arrive, si j'ai mon travail, je suis sorti à la porte de Bagnolet. Celle de la note qui montre que plus on partage, voilà, plus on va aider, là, plus on va vouloir supporter les artistes et dépenser de l'argent. Dites-leur que vous ne voterez plus pour eux, dites-leur que vous soutiendrez d'autres partis politiques qui défendent vraiment vos idées. Engagez-vous, rejoignez le parti pirate que je représente. D'autres formations, militez dans d'autres formations si vous y êtes. Faites passer un message, défendez les idées et que les idées soient vraiment bien présentes. Vous pouvez le faire, vous pouvez vous engager, vous pouvez rejoindre le parti pirate aux élections législatives. Mais vous pouvez aussi militer, appeler les députés, leur demander pourquoi ils ne défendent pas ces idées. Reprenez les arguments, échangez-vous, partagez, diffusez l'information. Ouais, c'est dans l'idée que j'aurais du mal à faire un gigot aussi. Alors, on va commencer à se mettre sur la route. Est-ce qu'on va commencer à s'orienter vers la place de Victoire? Ouais, alors bonjour tout le monde. Ici, c'est un peu des gens de la bande originale qu'on voit un peu partout. Donc je voudrais rappeler certaines règles. Évidemment, aucune dégradation, aucune violence. Il n'en est pas question. On n'écrit pas, on ne tague pas sur les murs. Tout doit être propre. L'esprit du truc, c'est le lol. C'est-à-dire, c'est la déconnade, mais c'est la déconnade gentille. Il faut bien comprendre qu'on a des masques, que normalement, ce n'est pas toléré. Normalement, c'est interdit. Mais si on est capable d'en avoir, parce qu'on est capable d'être vraiment cool, quoi, plutôt. Bonne manif à tous, et puis c'est très sympa, il fait beau, et ça fait chaud au cœur de voir autant de masques de Guy Fawkes sur la place de la Bastille, parce que je me souviens d'une époque où on était 4 ou 5. Allez, ciao, bonne manif.